Désormais, sur le manuscrit, sur le livre, à travers le siècle et jusqu'à la tombe. Scrupule, mais prudence de la retouche. Vers ou prose, les poèmes sont des créatures, et qui vivent, qui respirent, qui sont pleines d'organes, qui mourraient d'un mot coupé. Créatures plus qu'humaines, filles peut-être éternelles de l'esprit qu'elles dépassent, enfantées, mais non préconçues. Et les simples qui voient ces filles inespérées naître à l'extrémité d'une plume peuvent un soir les meurtrir ou les changer en cendres s'ils n'ont pas cru qu'elles naissaient pour toujours.